Déboutefitisation de la justice, Tebboune opère large mouvement. ANEP, un ancien PDG, répond à Larbi Wanougui. Fin de l'isolement pour le détenu Rachid Nekas. Télévision publique, lettre ouverte au président et charge contre le directeur général. Déboutefitisation de la justice, Tebboune opère large mouvement. Le chef de l'État veut-il déboutefiquiser le secteur de la justice? Fort probable. Il faut dire que le secteur de la justice n'a pas subi un tel mouvement depuis l'été 2019, lorsque l'actuel ministre, Belkacem Zeghmati, avait décidé de transférer plusieurs centaines de magistrats en même temps. Des fins de fonction, des mutations et de nouvelles nominations. Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé, jeudi dernier, à un vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Ce mouvement, indique un communiqué de la présidence de la République, repris par la PS, a concerné plus de 100 magistrats. En effet, pour le corps des présidents de cours de justice, le mouvement a porté, selon la même source, sur la nomination de 17 présidents, le transfert de 18 autres et des mises à l'écart pour 17 présidents de cours de justice. Idem pour le corps des procureurs généraux. Selon la même source, le chef de l'État a nommé 18 procureurs généraux. Il en a aussi muté 17 autres, alors que 19 procureurs généraux sont carrément écartés. Selon le même communiqué, le chef de l'État a également mis fin aux fonctions de Taleb Mohamed, en sa qualité de commissaire d'État près le tribunal administratif de Gardaïa, qui a été appelé à occuper une autre fonction. Commentant ce mouvement, le plus important depuis plusieurs années, la présidence évoque plusieurs normes prises en compte. Plusieurs normes ont été prises en ligne de compte dans ce mouvement en vue de donner un nouveau souffle à l'action judiciaire, améliorer le service public de justice et la reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la justice, souligne la même source. La présidence a publié, par la suite, la liste de tous les concernés par ce mouvement. Le chef de l'État veut-il déboutefiquiser le secteur de la justice? Fort probable. Il faut dire que le secteur de la justice n'a pas subi un tel mouvement depuis l'été 2019, lorsque l'actuel ministre, Belkacem Zeghmati, avait décidé de transférer plusieurs centaines de magistrats en même temps. Mais son action avait suscité une vive réaction du Syndicat national des magistrats, SNM, et du Club des magistrats, un syndicat non agréé. Ces deux organisations ont enclenché un mouvement de grève pour contraindre la tutelle à suspendre, ce mouvement qui n'était pas décidé en concertation avec le partenaire social. L'opinion publique avait alors assisté à des scènes malheureuses, dont l'intervention des forces anti-émeutes de la gendarmerie nationale dans un tribunal à Oran pour déloger des juges grévistes. Depuis cette date, le courant ne passe plus entre les syndicats des magistrats et le ministre de la Justice, qui a été, quand même, maintenu dans le gouvernement après la présidentielle du 12 décembre 2019. Ce nouveau mouvement dans les corps des présidents de cour et des procureurs généraux intervient aussi dans une période où la justice essuie des critiques acerbes de la part des avocats et des justiciables. Le traitement réservé par, notamment, les procureurs aux activistes du Irak et aux militants politiques poursuivis pour des chefs d'accusation standardisés et sans fondement est considéré comme étant contradictoire avec les revendications du mouvement populaire du 22 février, exigeant une justice indépendante et équitable. Dans un communiqué rendu public, il y a quelques jours, le collectif des avocats de la défense des détenus d'opinion avait dénoncé de graves violations des droits des justiciables et de la défense. Il a aussi condamné la gestion administrative de la justice, en faisant notamment référence au parquet et au ministère de tutelle. La présidence de la République tente-t-elle de corriger ses défaillances du secteur de la justice? ANEP, un ancien PDG, répond à Larbi Wanougui. Suite aux informations révélées par Larbi Wanougui, l'actuel PDG de l'Agence nationale de la publicité, ANEP, sur le fonctionnement et la gestion douteuse de l'agence faisant état de la distribution des sommes faramineuses à plusieurs quotidiens nationaux durant les années précédentes, un ex-PDG de cette agence a tenu à apporter des précisions. Ainsi, Amine Chikre, ancien PDG de l'ANEP, affirme que dans les propos de Larbi Wanougui, dans son interview donnée au quotidien El Watan et El Kabar, il existe beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Dans sa réponse publiée ce dimanche sur le quotidien El Watan, Chikre affirme, concernant le conflit d'intérêts entre ma personne et le quotidien Reporter, à mon arrivée à l'ANEP,
le conseil d'administration a été informé que mon épouse était actionnaire à 25% de la société éditrice du dit quotidien et non pas sa propriétaire, comme le suggère M. Wanougui. Selon l'ancien responsable de l'ANEP, le conseil a saisi l'avocat de l'entreprise pour émettre un avis juridique. Suite à cela, le conseil a délibéré en mon absence pour conclure que les exigences de l'article 2 de l'ordonnance numéro 07-01 du 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions n'étaient pas réunies et ont soumis la relation entre l'ANEP et la société éditrice à l'article 628 du Code de commerce. En clair, un rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise relatif aux conventions réglementées. Tous les documents sont à la disposition du PDG de l'ANEP, car se trouvant au niveau de son secrétariat, a-t-il ajouté. Et Chikre a indiqué aussi que contrairement à ce que suggère M. Wanougui, je n'étais pas PDG de l'ANEP de 2016 à 2019, mais de mai 2018 au 30 avril 2019, soit 11 mois et quelques jours. S'agissant de la villa d'El Biar, qui a été louée à 30 millions de centimes par mois, sans qu'elle soit utilisée, l'ancien PDG de l'agence de la publicité a affirmé que la villa d'El Biar était le siège de la direction générale de la filiale ANEP Messagerie Express. L'entreprise ayant acquis un siège à Oulod Fayot, j'ai mis fin au contrat de location. Fin de l'isolement pour le détenu Rachid Nekaz. Placé en détention provisoire début décembre 2019, puis mis en isolement à la prison de Coléa, le détenu Rachid Nekaz s'est sorti de l'isolement, dans lequel il a été mis depuis 8 mois, hier samedi 8 août. C'est ce qu'a annoncé son avocate Zoubida Assoul sur sa page Facebook. Selon elle, Nekaz a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de son renvoi inattendu devant le tribunal criminel du 29 juillet 2020 rendu par la Chambre d'accusation d'Alger. Pour rappel, la Chambre d'accusation de la Cour de Ruisseau avait étudié le dossier du détenu Rachid Nekaz le 22 juillet dernier et a rendu sa décision consistant au renvoi du dossier à criminel. Il est poursuivi pour appel au meurtre suite à une vidéo dans laquelle il menaçait les parlementaires de passer à la Kalachnikov s'ils votaient la loi sur les hydrocarbures, a rapporté ce dimanche le quotidien Liberté. Télévision publique, lettre ouverte au président et charge contre le directeur général. Un collectif du personnel de l'ENTV est monté au créneau pour faire part de sa colère quant à la gestion qui prévaut au sein de l'entreprise. Mécontent de la situation de l'ENTV, il a adressé une lettre au président de la République pour se plaindre de la gestion du directeur général contre qui sont énumérés plusieurs griefs. Il a été ainsi reproché à la direction de reproduire les anciennes pratiques, pointant notamment la marginalisation des compétences, l'exclusion, le règlement de compte, l'allégeance, le népotisme. Le collectif regrette la persistance de ces pratiques qui ont décrédibilisé la place de l'ENTV auprès de l'opinion, réduisant ainsi à néant son impact sur celle-ci. Relevant avoir accueilli favorablement la désignation de M. Ben Seban à la tête de l'ENTV au mois de janvier dernier, ce collectif se dit déçu de ce qui a été accompli plus de 6 mois plus tard, puisque le pari du changement vers le meilleur n'a pas été tenu, souligne-t-il. Nous sommes au regret de porter à votre connaissance, 6 mois après la désignation d'un nouveau responsable, la situation qui prévaut dans l'entreprise, une situation qui nous fait craindre le pire à cause de la gestion en vigueur d'une entité de souveraineté de la taille de l'ENTV, écrivent les journalistes mécontents. Ces derniers citent un non-renouvellement du discours médiatique, regrettant que les choses n'aient pas évolué d'un iota. La manière avec laquelle est faite la promotion de l'Algérie nouvelle reste faible, et le discours proposé demeure fidèle à celui d'avant le 22 février 2019, reprochent les signataires de la déclaration qui se veut manifestement un cri de détresse. Cela génère, accusent les contestataires, des JT médiocres, loin des aspirations du peuple, et de vos aspirations en votre qualité de premier président après la révolte populaire pacifique, dans la mesure où les JT demeurent loin de l'esprit de changement, que veut véhiculer l'institution de la présidence. Il est reproché également à la direction de garder les figures de la télévision publique qui ont accompagné les années d'avant le 22 février et qui sont affiliées, dans l'imaginaire du peuple, au discours des responsables corrupteurs poursuivis par la justice. Le collectif du personnel de l'ENTV pointe aussi un échec dans le traitement de la crise du coronavirus médiatiquement, qualifiant de superficiels les programmes et les émissions dédiées à ce sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs mois.
Il est reproché par ailleurs au directeur général de l'ENTV, ses désignations au niveau des directions des stations régionales en contradiction avec les critères et conditions en vigueur. Citant la personne désignée pour la station de Constantine, qui n'a pas le niveau de formation exigé pour un tel poste, ainsi que celle désignée pour la station de Ouargla, qui n'a été recrutée que depuis quelques années. Aussi, on retient contre le directeur général de l'ENTV un autre grief, celui de la dilapidation de l'argent public et la non-rationalisation des dépenses, notamment les nombreuses désignations, sur fond de népotisme, de conseillers et de chargés de mission, qui ont mis, chacun à son niveau, à leur disposition des voitures de luxe, en sus de l'augmentation de leur salaire et de la valorisation de leurs primes. Le premier responsable de l'ENTV serait également coupable de menaces contre les travailleurs récusant toutes les voies du dialogue et de la concertation. En somme, c'est un véritable tableau noir qui est dressé sur la gestion de l'ENTV qui ne manquera pas de mettre son patron sur un siège éjectable. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.